Salut à tous, c'est Bilruimi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est les cadeaux que j'ai eu à Noël. Mes chers petits cadeaux, ouais, c'est des gros cadeaux quand même. Je vais vous les présenter. Ben, moi, je vous dis, ben, c'est parti. Bon, alors, en première place, premier cadeau, j'ai eu ça. Voilà. C'est le puzzle 3D de Big Ben. Bon, il n'est pas à l'intérieur. Là-dedans, c'est vide. Oui, il y a la vraie horloge. Là-dedans, c'est vide. Parce qu'elle est juste là, en fait. Venez avec moi. Voilà. Je le pose là. Et venez avec moi. Voilà. Là, il y a l'horloge, il y a la vraie heure, puis là, il y a la suite de la tour. Et c'est fait un puzzle. C'est tout fait un puzzle. Bon, le plus galère, ça a été ça. Le haut, là. De là à là. C'était le plus galère. Parce qu'il fallait. La pièce par-ci, la pièce par-là, à chaque fois ça bougeait, ça partait dans un sens, ça suit dans l'autre. Moi je faisais que remettre. C'est plutôt agaçant. Attendez, attendez, j'ai les bonnes mises. Voilà. Non, je vais la mettre comme au début. Voilà, donc j'ai eu ce puzzle 3D de Big Ben. Ben voilà, dites-moi dans les commentaires s'il vous plaît, s'il vous plaît pas, ça dépend, c'est comme vous voulez. Voilà, premier cadeau. Deuxième cadeau, encore un puzzle 3D, c'est la statue de la liberté. Un puzzle 3D, bien sûr. Donc là, il n'y a que le socle de là. À là qui se construit. Il n'y a que ça. La statue là, elle se construit pas. C'est pas fait pour que se construire. Je vais vous la montrer tout de suite. Mais elle s'illumine. Quand j'appuie sur un bouton, elle s'illumine. Elle est juste là. Elle est à côté de Big Ben. De elle. Oui, j'ai eu deux puzzles 3D à Noël. Et alors? Voilà. Et elle s'allume. Soit je la mets fonction changement de couleur, soit je fais fonction lampe qui change pas de couleur. Voilà. Donc je vais y aller tout de suite. À tout à l'heure. Bon allez, venez avec moi, je suis gentil. Voilà. Donc là il y a la lame. Là il y a la statue, il y a sa tête avec la couronne là. Là il y a son corps. Là il y a le livre. Son corps, elle peut se détacher bien sûr. Voilà, je peux le remettre. Puis ça, c'est la partie, à partir de là à là, ça se construit, regardez. Bien un puzzle. Vous le voyez très bien. Donc bon, je vais éteindre la lumière et enclencher ce petit bouton. C'est parti. Alors, attendez. Voilà, donc regardez ce que ça fait. Quand elle s'allume, oui, je suis dans le noir total dans ma chambre. Vous voyez, je crois, attendez. Voilà, je suis dans le noir total dans ma chambre. Sauf ça. Voilà, c'est fait exprès. Voilà. Ici, je mets la fonction changement de couleur. Là, c'est rouge. Voilà. Là, c'est rouge et ça va changer de couleur. Regardez. Voilà. Mais là, c'est vert. Là pour moi c'est jaune, c'est vert normalement. Mais bon, c'est la caméra qui fait ça aussi. Là c'est vert foncé parce qu'avant il y avait vert clair. Là c'est bleu clair. Voilà, c'est bleu clair là. Là c'est bleu foncé, c'est magnifique. Voilà. Voilà, c'est magnifique.
C'est du rose. Oui, c'est du rose. Ça va se transformer en violet. Ah ben non. Bon, voilà. Attendez que je rallume la lumière. Bon ben voilà, on a vu cette statue de la liberté. Voilà. Les deux puzzles 3D que j'ai eu. Mais encore, là, c'est les deux puzzles 3D que j'ai eu à Noël. Mais j'ai encore un autre puzzle, mais celui-là, il n'est pas 3D, ni 4D, ni 5D. Il est plat. Il est tout plat. C'est un puzzle, quoi. C'est un puzzle normal. Voilà. Alors, prochain cadeau. C'est tout simplement ce bolide Lego Technique. Parce que moi, je suis un grand, 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 grand fan de Lego. J'adore ça. Donc, voici le bolide. Voilà. Donc, non plus, il n'est pas dedans. Parce que je l'ai construit, il est juste là. Voilà. Donc, oh, celui-là, je le voulais. Je l'adore. Je le voulais en plus à Noël. Ah, oh, je le voulais trop. J'étais trop impatient de voir si je l'avais ou pas. Donc je vais vous montrer. Il est télécommandé en plus. Et il est deux en un. Soit on peut fabriquer ça, soit ça. Mais ça, c'est sur Internet qu'il faut voir ça. Parce que moi, sur le manuel qui est à l'intérieur de la boîte, il n'y a pas la fonction pour construire celui-là. Donc. Des vidéos qui parlent de cette boîte, vous pouvez avoir partout sur YouTube, il y en a plein. Et ben, vous tapez juste Lego Technique Bolide sur chenille, c'est tout. Voilà. J'ai eu ça. Je vous le testerai par contre dans une autre vidéo là, s'il vous plaît. Voilà. Un puzzle. Je vous avais dit que j'aurais un autre puzzle, mais celui-là il était plat. Là, il était normal quoi. Et voici. Celui-là. Par contre, celui-là, je l'ai pas construit encore. Il y a un mignon petit chat là, et un chien. Et un chien, et un chat. Blanc et marron. Marron beige, quoi. Puis le décor, il est trop beau. On dirait le soleil. Voilà. Il y a 1500 pièces. Pour moi, c'est facile. Moi, c'est super facile, je vous le dis direct. Je vous ferai une vidéo où je l'aurai fini. Comme le bolide là. Voilà. Je vous fais une vidéo dessus. Dites-moi si vous l'aimez, ce cadeau. Et enfin, le dernier truc, enfin, le dernier cadeau que j'ai eu à Noël, c'est tout simplement un atelier de mécanique. Là-dedans, on peut construire tout ce qu'on veut. Écoutez. Il y a beaucoup de pièces, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de pièces. On peut se construire ce qu'on veut. Une voiture. Une grue. Une moto, une catapulte, un vélo. Une barre pour faire les tractions. Vous savez, à la salle de muscu, il y a des barres qui fait qu'on fait ça là. C'est pour devenir Thor Tank, comme dit Tibonchi. Et voilà, c'est pour faire plein de types. Ça, regardez. Là, vous avez des modèles. Là, c'est une sorte de Formule 1. Ça s'appelle le Dragster. C'est marqué, là. Ensuite, là, on a la grue. La géante grue, je l'ai déjà faite. Et ensuite, là, on a la moto. Voilà, très réaliste. C'est très, très, très réaliste, les amis. Ben voilà. Les abonnés. C'est super. Là, j'ai fait quelque chose dans cette boîte. J'ai fait quelque chose, mais il y en a encore plein de pièces. Il y en a encore plein. J'ai déjà fait ça. Oui, il y a même une trottinette, pardon. Et j'ai fait un truc là. Je viens de le terminer avant de faire la vidéo. Et regardez ce que c'est. C'est tout simplement un hélicoptère et c'est trop, il est trop. Il y a même le moteur avec pile et tout. Et regardez. Il tourne tout seul. Parce qu'il y a le mécanisme là. Là, il y a les piles. On les assemble avec la prise qui est là. La prise là. Et ensuite. Bon, par contre, il vole pas, je peux le laisser comme ça, il s'envolera pas. Il fera pas.
Enfin, pas ça. Non, justement, c'est fait pour jouer avec, pour décorer sa chambre, sa cuisine, sa salle de bain, ses cabinets. Bon, bref, j'exagère. Ben voilà. Donc, avec ça, c'est vraiment un truc créatif. C'est pour apprendre à construire plus tard. Donc, ça me servira beaucoup, beaucoup. Bon, alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous avez aimé. Enfin, dites-moi si vous avez aimé l'atelier de mécanique, le puzzle 3D de Big Ben, la tour avec l'horloge, la statue de la liberté, un puzzle 3D, le bolide Lego Technique sur chenille et le puzzle chat et chien. Oula, ça s'écroule. Ah. C'est bon. Donc, si vous avez tout aimé, dites-moi dans les commentaires, j'ai tout aimé. Si vous n'avez pas tout aimé, mais il y en a que vous avez aimé, vous me dites, alors moi j'ai aimé ça, et ça, et ça. Et si vous n'avez pas du tout aimé, ben, vous mettez, j'ai pas du tout aimé. Voilà. J'aime pas. Voilà. Vous mettez ça. Donc, ben voilà, l'intro de fin. Pouce bleu, commente, partage, abonne-toi. Et joyeuse fête, bon réveillon, je vous adore. Mangez bien, hein. Manger, c'est très important. Mangez bien, surtout. Et au revoir.